Eh bien, salut tout le monde, c'est le 91, et bon bah, c'est le deuxième épisode de la campagne de la Terre du Milieu 2, la campagne du bien. Donc j'enregistre juste après m'être fait... Enfin, d'avoir fait le premier niveau, donc on va continuer. Donc là, il y a un petit temps de chargement, donc on avait gagné avec les elfes. Donc c'était assez simple, donc là je répète encore, c'est la campagne en mode difficile. Mais pour l'instant ça n'avait rien de très difficile. Enfin très compliqué en tout cas. Et donc là on va essayer de... d'avoir la paix entre les nains et les elfes, pendant toute l'histoire en tout cas. Et voilà, donc vous avez un peu beaucoup de cinématiques, hein, comme vous l'avez vu à l'épisode précédent. Ah, si ça se trouve, je ferai en une fois parce que je pense que j'ai pas passé assez de temps. Si je vois que c'est que 10 minutes, hein, je verrai. Parce que les missions elles sont assez courtes au début. Donc là j'ai pas trop écouté ce qui se passait. Hein. L'attaque sur Foncombe est venue de plus loin au nord. Mais avant de pouvoir suivre le mal jusqu'à sa source. Nous devons donc, ok, le là il y a beaucoup de gobelins. Donc là, cette fois-ci, on peut construire des malornes. Donc, pour avoir beaucoup de ressources, comme ils ont dit là, on peut construire une caserne. Donc là, il y a des bâtisseurs qui permettent de construire des bâtiments. Là, lui, il est parti. Donc, on peut construire des casernes pour recruter des personnes qui combattent, quoi, des combattants. Là on va attendre un peu. On va faire quoi? Là statue héroïque, donc ça permet de gagner 25% dans la zone. De 25% de dégâts. Là, on peut débloquer la cavalerie. Le miroir de la galerie, elle sert à se soigner, donc comme un puits. La tour de guerre, bah ça sert à défendre un peu une forteresse. Bon, c'est pas très efficace hein. Quand on met pas d'unité dedans. Préparez vos outils. La forge. Donc, ah, ça c'est super utile. Hein. Ça rend les unités super puissantes. Et la forteresse, bah c'est ça. Donc, ça permet de recruter des bâtisseurs ou des héros. Et on peut la protéger en ayant des enclumes enchantées, des fontaines mystiques, des brumes et des vignes enchevêtrées. Oula, ça bug beaucoup. Ah, donc là, ça bug moins déjà. Et donc là, on doit construire une tour. Le travail nous attend. Bizarre que ça lag parce que c'est un jeu de 2006 en plus. Donc on va entraîner des lanciers de Foncombe. Ça sera utile quand même, je pense. Bon, on va en faire sortir quelques elfes quand même. Et voilà, la tour se construit. Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre maintenant? Déjà, je vais attendre un peu que ça soit sorti. Ok. Une tour de guerre. Si j'ai bien entendu, je crois. Enfin, j'entends pas vraiment, donc bon. Une tour de guet à notre forteresse. Ok. Ah, donc c'est où les tours de guet? Nous venons de Foncombe. Nous sommes trop nombreux. C'est où ça? Non, c'est pas ici. Je vais en recruter d'autres. Ah, c'est ça donc. Ok. J'en construis pas souvent d'habitude, c'est des trébuchets que je fais, donc voilà. C'est beaucoup plus efficace d'ailleurs. Et ça coûte presque rien. Nous protégeons la maison d'Elrond. À peine 1200 en pièces. Encore l'attendre longtemps. Je sens qu'un combat se prépare. Nous devons former okay. Plus d'archers et de lanciers pour libérer ce col. Ah, c'est intéressant ça. On peut pas les débloquer. Impossible d'entretenir plus. Ah, ok. On peut pas. Allons-nous encore attendre longtemps? Donc je vais construire des malornes pour pouvoir recruter plus de personnes. Donc là on va se mettre à 84%. Donc
Le nombre, le pourcentage, c'est le nombre... Bah, c'est le pourcent qu'on peut récupérer de la terre. Et des ressources qu'on peut récupérer. Donc là, on va attendre un peu. Je vais encore faire un Malorn. Où devons-nous construire ? Je vais le mettre... là. Il est temps de Alors, je préfère en online quand même. C'est mieux, on peut parler et tout. Parce que là, hein, c'est pas très... très enthousiaste. Voilà, on entraîne des lanciers de foncombe. Donc ils sont forts contre les archers et contre le bâtiment. Voilà, donc les archers aussi vont venir. Nous avons fini cette structure. Soyez prêts à tout. On peut les améliorer bien sûr avec la forge. Et donc là, faut faire quoi maintenant? Je vous dis voilà. Je vous dis en mode réseau, c'est pas du tout comme ça, on n'est pas autant guidé. On peut faire ce qu'on veut. Par contre là, pour l'instant, on peut rien faire. Je vais acheter des flèches d'argent. Avec les humains, on peut pas avec les hommes, on peut pas acheter de flèches d'argent. Enfin, j'en ai jamais vu avec ça. Donc je vais refaire un Malorn quand même. Je vais en mettre là, même si c'est pas grave, c'est quand même pas trop d'argent. Il y a beaucoup à faire. Au moins, je pourrais recruter plus de personnes. Allez, vite. On va peut-être passer par là. Il fait froid ici. Donc vous verrez, très froid. C'est une tribu de gobelins. Il y a beaucoup d'espace où on peut y aller, donc il y a des missions secondaires. C'est une caverne de gobelins sauvages. Le combat a commencé. Notre belle ville donc, s'incendie. Ah oui, je vais peut-être construire je suis prêt. D'autres casernes. Enfin... Les casernes, ça coûte rien de toute façon. Ah, on peut pas construire par là, ok. On y travaille. Surveillez vos flancs. C'est pas vraiment normal, mais bon, tant pis. En tout cas, je fais un peu n'importe quoi là, c'est pas grave. Parce que pour l'instant, c'est super facile, parce qu'on est qu'au début. Je vais tirer comme ça. Et voilà, leur... C'est pas leur un tunnel ça? Bah c'est ils sont morts en tout cas. Là je pense pas qu'on va pouvoir passer. Je crois pas du tout même. Il va y avoir un petit barrage. Ouais donc c'est un objectif bonus comme vous avez vu. Allez. Donc vous voyez, on a encore les bonus là. On va le faire sur ça. Je crois qu'ils sont déjà, morts. Donc là, on peut pas traverser, comme vous voyez. Les archers, peut-être qu'on pourra. Non, on peut pas. Ils se cassent. Ok, donc on revient. Et je vais faire quelques petits malordres encore. Ouais, je vais en laisser quelques-uns au cas où ils attaquent. On sait jamais. Hein. J'ai des matériaux de construction. Et bah je vais peut-être faire quelques autres unités. Non, on peut pas encore. Là, il y en a d'autres. Des cavaliers en plus. Je vous conseille de l'acheter, même si le jeu est introuvable, hein, puisqu'il n'est plus produit. Ils ont jugé que ça servait plus à rien de produire, donc maintenant il y a des sommes astronomiques. Donc c'est un peu un jeu de collection maintenant. Je vous le dis tout de suite, ça se vend super cher. Enfin, super cher, voilà quoi. Pour un jeu de 2006 en tout cas. Le mal est sur nous. Donc on va détruire cette cave de gobelins. Comme ça ils pourront plus faire de gobelins, en tout cas ici. Ah je savais pas qu'on pouvait zoomer comme ça. Ouais c'est un peu moche comme ça. Je préfère rester comme ça. Au moins on voit un peu tout, ce qui se passe. Je vais peut-être en refaire d'autres. Des cavaliers en plus. Ah. Des espèces de trolls ou de géants. Bon, voilà, il est mort tout de suite en plus. Super simple. En même temps, on a Glowin. C'est un peu normal. Ah, tous les nains qu'il y a dans Bilbo le Hobbit. Enfin, dans le Hobbit.
C'est énorme, j'ai même pas, je sais même pas tous les noms. À part Thorin, Egluin. Il y a beaucoup. Enfin, Gandalf, il fait un peu tout. En tout cas, dans le premier film. Par contre, j'ai trouvé un petit dessin animé assez sympa sur Bilbo l'Hobbit. Et de 1976, je crois, mais il était pas mal du tout. Enfin, donc j'ai un peu tout vu, donc bon. Je sais ce qui se passe à la fin. Franchement, il est pas mal. Je vous conseille de le regarder si vous n'avez pas peur de regarder la fin, en tout cas. Je vais réorganiser mes troupes, là. J'ai assez d'argent, en tout cas, pour... Et je vais les envoyer, là. Si on les bouge pas, ils vont rien faire. Tant qu'il n'y a pas d'ennemis, ils vont rien faire. Nous devons défendre nos foyers. Donc là, on n'a plus trop d'argent. Impossible d'entretenir plus de troupes. On a pas trop d'unités en tout cas. Là. Mettons-nous en route. Donc on essayera d'aller jusqu'à là-bas pour finir les objectifs de la carte. L'ennemi est proche. Nous avons agrandi la caserne. Ça devrait les énerver. Et voilà, ça va être détruit. Donc on récupère toujours un peu d'argent quand on détruit ces espèces de bâtiments. Ah oui, ils sont bloqués d'ailleurs. Je vais attendre un peu d'ailleurs. Oh, je dis beaucoup d'ailleurs. Voilà. Et voilà, les cavaliers arrivent, c'est le moment d'attaquer. De toute façon, on fait que d'attaquer de façon. Y'a pas des choses en haut? Ouais, il y a des objectifs bonus encore. Bon, on va les faire. Allez, attaquez les elfes. Les archers, on va les faire attaquer de loin. Ah, c'est chiant les tours. Ah, c'est pas des archers? Ok, des épéistes. De toute façon, ils sont super forts les cavaliers contre eux, pour les archers. Et voilà. Je vais mettre les cavaliers contre le truc pour produire contre la mine, je crois, dans le tunnel. Voilà, ils vont mourir. Ah, il y en a d'autres là. Oula. Qu'est-ce qu'ils font là? Je vais mettre ça. Et ils vont mourir. Ah, d'ailleurs, on excède les points de commandement. Peut-être à cause de Gluin. Donc il n'y a plus rien, je crois là. Si? Ouais. Je vais voir si je peux construire d'autres choses. J'ai des matériaux de construction. Non, apparemment pour l'instant je peux pas. Ah si. On va construire là. Enfin bon, ça sert un peu à rien comme je vous l'ai dit, on peut pas... On les conserve pas après. Les géants? Oh non. Donc on les voit un peu là, donc ils attendent un peu. Les ennemis. Ah, c'est pas là-bas les géants? Non, je sais pas. Donc on va prendre un peu d'argent. D'ailleurs les Volobit avec ses grottes, ça m'a rappelé un peu Skyrim. Pas mal du tout. Et bon, on est d'accord que Skyrim, enfin l'univers des Elder Scrolls, il est moins développé que celui de la Terre du Milieu. C'est indéniable en tout cas. Donc c'est la base de tout. Hein. Mettons-nous en route. Allez, vite. Enfin bon, là j'ai pris un livre qui s'appelle La formation de la Terre du Milieu, donc ça explique un peu tout ce qui s'est passé avant. Il y a des commentaires de l'auteur. Donc on apprend qu'il y avait que Sauron avait un maître qui s'appelait Morgoth et qui a échappé aux dieux. Aldir est piégé dans la contrescarpe au nord. Allez lui porter secours. Ah ok. Lui il est tout seul, faudra l'aider donc.
Il faut ok. Les verpâturages sont achevés. Nous devons nous dresser. Allez, venez. Sous les arbres. Ah carrément, on peut pas le contrôler. Ok. Ah ça fait, ça va faire un petit zoom. Que j'avais horreur. Donc là, on va recruter d'autres personnes, si on peut. Peut-être un malandre, on va peut-être faire. J'ai des matériaux ouais, de construction. Ouais, voilà, c'est bien. Un endroit idéal. Je suis là. Où sont-ils ? On va aller là. Ouais, j'ai l'impression qu'il a des vies limitées. Mettons-nous en route. C'est une caverne. Allez, vite. Allez, on y va. Est-ce qu'on peut débloquer encore ? Ah, le petit Tom Bombadil. J'avais lu une rumeur à... comme quoi il était apparu avant la Terre. C'est assez bizarre. Vous allez voir le pouvoir de Tom Bombadil. Le seul qui résiste à l'anneau. Il est assez bizarre. Il est super puissant. Tom Bombadil. Super puissant. C'est Tom Bombadil. C'est énorme, hein, qu'est-ce qu'il dit. Tom est le maître. Enfin, je vous dis, il y a des... Ils sont assez marrants, les petits dialogues. Enfin, de tous les personnages, d'ailleurs, même des bâtisseurs, c'est énorme. C'est énorme ce qu'ils font. Ce qu'ils ont fait, les acteurs. Enfin, les doubleurs. On va aller par là. Ah, il y a des ennemis, ok. Personne n'a jamais pu l'attraper. Nous devons défendre nos foyers. Nous les rencontrons. Car Tom est le maître. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en plus? Enfin, un petit malheur en plus. Il y a beaucoup à faire. Poursuivez le combat. Oula, ça lag un peu. Ouais, voilà. Faut faire gaffe parce que ces jeux ils sont pas très, vraiment très optimisés. Parce que bon, en 2006, ils optimisaient un peu moins les jeux. Ah, oula, j'ai toujours pas l'interface. Nous ne pouvons rester ici. Avancez. Bon, vous avez peut-être loupé quelques secondes de combat, mais bon, tant pis. Hein. C'est une petite tanière de gobelins. Nous pouvons rester ici. Purger nos terres. Et on va combattre encore ces petits gobelins. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que des gobelins dans le jeu. Plus cet endroit. Encerclez-les. Allons plus loin. Il faudra que vous me disiez dans les commentaires ce que vous préférez comme temps. De parties en tout cas, si je fais une partie par épisode ou deux ou trois même, enfin bon, j'ai pas envie de faire plus d'une heure en tout cas. Ça, j'ai d'autres jeux pour alors bon, j'avais quelques projets, donc j'aimerais bien faire des jeux en une fois, ce serait pas mal. Ça, c'est un bon petit défi que j'aimerais bien faire, bien tenter. Ils ne souilleront plus ces terres. Et je pense que ça arrivera. Allez, on va tuer les tours. Les deux tours d'ailleurs. Gardez vos sens en éveil. Vite, elfe de la forêt. Allez. Ah, qu'est-ce qu'ils font là eux? Elf, par ici. Oh là là. J'attendais juste mon tour. Oui, il a fini. Donc on peut faire sortir les lanciers. Un endroit idéal. On va construire une caserne. Encore. Donc là, il y a un peu de tout. On est plus beaucoup là. Ça n'a rien à faire ici. La caserne est terminée. Allez. On va détruire cette petite tour. Et les renforts arrivent. Notre limite de je vais construire d'autres unités. Nous devons protéger ces voies. Ouais, je pense que ça sera suffisant quand même à partir de là. Et voilà, lui il attaque à distance, on sait pas trop comment. On va attaquer ses décombres. Et là il y a des petits gobelins encore. Et ils ont plein d'argent. Donc on va leur prendre, hein. On va leur voler.
Sortons les épées de la Loria. Et il n'y a pas encore Gollum. Bizarrement, il n'y a pas encore Gollum. Il doit avoir trop froid pour être ici. Allez. Faut se dépêcher un peu. Et voilà, on va le tuer. Oh, déjà niveau 8 hein, quand même. À le dire. Et donc c'est quoi? C'est un pouvoir charisme. Ok. Et là, il n'y a pas d'ennemis, donc ça sert à rien. Abattez-les. Donc on va leur faire repartir jusqu'à où? Là, il y a des ennemis. Donc on va les combattre. Oh, on a beaucoup d'argent là. J'ai des matériaux donc, de construction. On va prendre ah non, on peut toujours pas. J'ai l'impression que le maximum là c'est 600. Que... J'arrête pas de faire des malandres mais on... j'ai pas l'impression qu'on augmente. L'ennemi sera châtié. En plus 600 le maximum le comme ça puis... un nombre tout rond. Je pense que c'est le maximum. Parce que dans, en mode réseau c'est 1000 le maximum, sinon ça fait un peu laguer l'ordi. Je pense en tout cas. J'ai pas trouvé de mode pour enlever cette limite. Allez. Allez, on va reconstruire d'autres personnes. Parce que là, on est en train de se faire un peu défoncer. Effacez les traces de leur présence. Faucheurs d'araignées. On avait dit qu'on allait là. Faucheur d'araignée. C'est un peu long à arriver. On va les soigner un peu d'ailleurs. Pas mal ce petit effet. Donc là, je vais vous dire un peu dans quel paramètre je joue. Paramètres. Donc là, j'ai fait une petite modification du fichier .ini. Pour jouer en 720p pour YouTube, donc je joue en moyen, donc je peux pas modifier dans la partie. Ah, je devrais peut-être vous remettre les musiques parce que je les avais enlevées parce que bah voilà, j'aimais pas trop les écouter parce que j'écoutais d'autres trucs en même temps. Donc là, c'est la dernière version, il n'y a pas d'autres versions. Donc là, je pense que c'est bon. Je me disais aussi, c'était un peu calme, j'aurais peut-être dû le remettre. Poursuivez le combat. Parce que, en plus, les musiques elles sont pas mal du tout parce que ouais, ça reprend celle du film. Enfin, je les mets pas trop fort quand même. Pour que je puisse parler. Mais là, j'en les entends toujours pas. C'est bizarre. Ah, j'ai envie de les augmenter encore. Donc, paramètres, et on va les mettre jusqu'ici. Ouais, je vais mettre à moitié. Nous ne faiblirons pas. Attirez-les loin d'ici. De toute façon, je verrai bien pendant le montage. En avant. Allez. En avant. Avancez. Je pense que ça lag un peu parce que je suis sur un disque dur en même temps. Enfin, j'enregistre sur un disque dur. Donc c'est peut-être normal que ça lag autant. Est-ce que je suis déjà passé par là? Ouais, j'ai l'impression. J'étais pas passé par là. Il y a peut-être des trucs là. Là, je sais pas. Ah non, je suis déjà passé par là. C'était ça qui m'intéressait. Alors vous avez bien vu dans Skyrim, j'aimais bien fouiller partout. Qu'est-ce qu'ils font eux? Pourquoi ils se dispersent? Pourquoi ils se dispersent? Telle est la question. On va rester ici. Avancez. Ah ok, ils s'étaient perdus. Notre voie est tracée. Ouais, y'a rien. Le combat a commencé. Y'a rien ici. Venez avec moi. Et donc on va aller les combattre. Oh là, on a beaucoup d'argent, 10 000, donc on peut construire deux forteresses. C'est assez énorme. Allez, on va les combattre. Ça va, on les détruit assez facilement là. Ouais, donc on peut pas faire plus que 600 unités, j'ai l'impression. J'en refais d'autres. On peut pas en... ils sortent pas tout de suite en tout cas. Là, on a plus beaucoup de personnes.
Bon, on a éliminé les deux tours. Ah non, on a éliminé qu'une d'ailleurs. Elle a perdu quelques points de vie. Nous devons défendre nos frontières. Nous ne pouvons rester ici. Donc là, vous voyez quelques animations. Personnages qui prennent feu. Je sens une présence. Ça se trouve, on va le finir juste avec des héros. Tuez ces créatures malfaisantes. Préparez vos armes. Le mal est sur nous. Allez. J'aurais peut-être dû le prendre, tout de suite. L'ennemi est en vue. Allez, je vais le remettre. Pas qu'on les voie. Allez, fais-nous quelques petits trucs, Tom Bombadil. Ah, ça fait rien. Ah, ok. L'ennemi est sur nous. C'est parti. Allez, vite. Est-ce qu'on va pouvoir éliminer avec Glowin? Ah, c'est un peu long à arriver hein, quand même. Allez, tuez-le. Avec Glowin, c'est tout plus facile. Hein. Vu que c'est un an. Donc vous voyez, il a un temps restant quand même. Il ne reste pas beaucoup de points de vie, donc vous voyez, il est parti. Attention à l'ennemi. Vite, elfes de la forêt. Ils sont là-bas. Je suis là. Où sont-ils? Je sens une présence. Enfin, il y en a là en tout cas. Ils ne souilleront plus. Ah oui, ils attendent. Ok. Le combat a commencé. Attendez. Voilà, je pense que ça suffira. C'est un piège. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour une petite tour d'ailleurs. Et là. Ouais, voilà, ça sera bon. Préparez vos outils. Oh non! Oh non, j'aurais peut-être pas dû y aller tout de suite. Il est temps de bâtir. Donc je vais prendre encore une, des autres unités. Et je vais mettre une petite unité là. En tout cas, on va se faire défoncer. Le guetteur de l'eau. Il est trop fort pour nos guerriers. Nous devons utiliser les archers. Fuite! On fait la suite là. On attend les renforts. Préparez vos armes. Abattez ces créatures maléfiques. Ah non, pauvre Glowin là. Ah là là. Allez. Nous ne pouvons rester ici. Le guetteur de l'eau. Et donc est-ce qu'il est en train de construire? Nous devons utiliser les archers. Il est en train de construire. En avant. Nous avons préparé les verts pâturages. Donc là, je joue un peu stratégie là. Il faut bien. Et une fois qu'il aura fini le bâtisseur, et eh bien bah, je construirai peut-être une forteresse proche. Nous devons défendre nos foyers. Je vais le faire là. Allez, ils sont morts. Est-ce que j'ai des archers? Nous devons défendre ces terres. Non. En route. J'ai pas d'archers. Donc on va attendre un peu les renforts. Est-ce qu'il a fini de construire? L'ennemi est sur nous. Autre, j'ai pas l'impression. Ah si. Un endroit idéal. Je sens qu'un combat. Je défendrai notre. On reste ici, on reste ici, on reste ici. Pas besoin de se faire mal. Nous ne pouvons rester ici. Allez. Archer de la Lorien, prêt au combat. S'en éveille. Vite, elfe de la forêt. Allez, on va se les faire. Il est super fort. Nous avons agrandi les verts pâturages. Le guetteur. Qui veut d'entretenir plus de troupes? Et donc, on va encore remettre du renfort. Et ça vient d'un peu partout maintenant. Je reposais mes yeux. Je vais reconstruire encore. Il est où l'autre bâtisseur? Qu'est-ce qu'il fait? Ah si, il est là-bas. Ok. Donc le bâtiment est en train d'être construit. Ça va être pas mal pour finir le niveau. Non, Glorfindel. Ah non, Aldir. N'attaque pas. J'ai dit n'attaque pas. C'est pas compliqué. Hein.
Allez, une forteresse. On est chaud là. Il perd pas beaucoup de points de vie en plus. Je vais me cacher un peu. Ils sont assez nuls là, les cavaliers, j'ai l'impression. Allez, faites-le. Je suis là. Où sont-ils? Attention à l'ennemi. Nous venons de Fourgon. Criblez-les de flèches. Allez. Préparez vos armes. Faites vite. Reprenez-leur. On va les détruire. Déjà, j'essaie de détruire cette petite tour. Et vous voyez, elle est assez puissante quand même. C'est assez puissant. Allez, viens détruire ta tour. Et elles vont mourir. Donc quand ils meurent, les héros, on peut les ressusciter. Là, il y a personne qui a été mort. Ah, je vais faire ça. Ça, ça, ça. Ça va être pas mal. De toute façon, j'ai encore beaucoup d'argent. Allez. Le travail nous attend. On peut pas faire de deuxième forteresse. Le mal est sur nous. J'avais vu qu'on pouvait. Enfin, troisième. Oh, ça lag trop. J'ai l'impression qu'on puisse. Regardez. Ah. Là on peut. Ça sert un peu à rien. D'ailleurs. Allez, feu à volonté. Dommage qu'on n'a pas de trébuchet. J'aurais pu là. La forteresse, elle est prête. Je suis pas sûr que les elfes en ont. Si, ils en ont, je crois. En tout cas, en raison, ils m'ont attaqué comme ça. Je vais la protéger un peu comme ça. Le mieux, c'est de faire des murs. Allez. Allez, on l'a presque tué. Bon, là, on va la voir, c'est sûr. J'en ramène quelques-uns là, encore. Ils ne peuvent échapper à un nain. Et ça sera vite fait. Allons-nous encore attendre longtemps ? Ok. Où devons-nous reposer les lignes, les serviteurs de Sauron ? Qu'est-ce qu'il fait lui ? Soyez prêts à tout ! La barbe est à vos ordres ! On va l'attendre un peu. Gloin, il est là. Je serai un bon guide. L'ennemi est proche. Donc, on Soyez y va. Lui, je l'avais pas vu. Éliminons les serviteurs de son. Allez, Tom, bon madil. Et voilà, on va les détruire, comme d'habitude. Ça va, c'est assez simple. Ce vieux Tom Bombadil. Oh, le gros coup de poing, ravageur de Tom Bombadil. Et on a gagné. Encore une fois. Victoire. Et donc on a gagné, donc je vous laisse encore cette cinématique de conclusion. Le Haut-Col est désormais libéré de l'armée des gobelins. Les elfes peuvent traverser les monts brumeux. La guerre contre les gobelins continue. Donc vous avez vu qu'on continue la guerre encore une fois. Et donc ça a pris un peu plus de temps, hein,
Vous fouillez pas autant, je mets pas vraiment 31 minutes. Donc je vais faire la dernière bataille de cette session de jeu en tout cas. Après je verrai bien pour organiser mes épisodes. Donc là je suis toujours à la première session de jeu. Et donc pour l'instant l'alliance elf et nain est bien formée en tout cas. Avec Glowin et toutes les troupes. Donc je pense que, enfin je sais pas, peut-être que ça va être la dernière bataille contre les gobelins. Après il faudra éliminer Sauron, sûrement. Puisqu'on est contre Sauron. Ça va encore, les chargements ils ont rien à voir avec Skyrim. Il y a tout le temps les chargements dans Skyrim. C'est bizarre. Un lieu maudit qui s'est récemment réveillé. Les gobelins ont un nouveau chef qui exécute les volontés tyranniques de Sauron. Oula. Ah, vous voyez Sauron. Enfin, vous voyez pas, mais. Le seigneur sera vaincu. Les gobelins seront désorientés et désorganisés. L'emprise de Sauron sur cette région s'affaiblira alors. Dans les temps anciens, les langues d'Étienne étaient le foyer du roi sorcier d'Angmar. Donc voilà, on commence à parler de beaucoup de Sauron maintenant. Ah, le roi sorcier. D'ailleurs, il y a une extension qui est sortie pour ce jeu. Juste pour l'avènement du roi sorcier, donc c'est le titre du DLC, enfin d'extension. Faudra que j'essaye un peu. J'ai même pas vu de test encore du roi sorcier d'Angmar. Je reviendrai bientôt avec c'est qui les renforts. Ah, des petits villageois. Donc là, on peut voir un peu les bateaux elfes. Donc là, on va les mettre, attention. Ah non, il part tout seul, ok. Ah, on a encore Tom Bombadil. C'est bizarre, on a encore de l'argent. Bah, bizarre. Peut-être qu'on le garde finalement, je sais pas. Je suis à vos côtés. Donc là, vous voyez un puits. Soyez prêts à tout. Est-ce qu'on... Non, on peut pas faire... Ah non, apparemment, on peut pas recruter de bâtisseurs pour l'instant. Donc on va avancer, on a que ça à faire de toute façon. Allez, on va les détruire. Ça a l'air assez simple. Ouais, trop nombreux... Ouais, voilà quoi. En même temps, ils sont assez nuls. Mais beaucoup en plus, lui aussi. Bah ils sont nuls ces gobelins. Ils sont explosés. Ah, par contre je sais pas si le niveau se conserve entre les niveaux. Enfin les niveaux des personnages se conservent entre les niveaux. Alors, voilà, on gagne encore des archers. Donc c'est vraiment très facile. On a presque rien à faire. Et voilà les araignées maintenant. Ah, ils sont sauvages maintenant aussi. Nous ne pouvons rester ici. Du moment qu'on croise pas celle qu'il y a à la fin du retour du roi, voilà. Ça me va. Encore ces fichus gobelins qui servent un peu à rien. Il ne faut même pas perdre de temps, c'est dire. Ah, il y a un peu d'ennemis là. Faut que j'ai tué un peu. Je vais faire un peu d'entraînement. Ah, ils sont joyeux. Allez, on fait une petite danse. Bon, là, il n'y a que les archers qui peuvent les détruire. Et eux, ils nous attaquent même pas, ok. J'ai l'impression de ne pas avoir mis en difficile parce que là, c'est vraiment trop facile. Donc, lui détruire ce puits. Enfin, cette mine, ouais. Donc, je récupère l'argent derrière. Tranquille. Enfin, en réseau, les gobelins ils servent un peu à rien aussi. Ça sert un peu à récupérer de l'argent au début, mais enfin bon, ça sert un peu à rien. Ça sert juste un peu à t'énerver. Au début, quand on commence à se faire des ressources et tout. On a atteint le village elf, comme vous avez vu. Je pense qu'on va devoir le reconstruire, je pense. Non ? Je suis revenu avec de l'aide. Bon, je sais pas, j'ai pas l'impression. D'habitude, c'est pas aussi brûlé. Ah, là, on peut capturer le drapeau pour construire des hobbits.
Donc les semi-hommes. Elles deviennent assez fort là. Je défendrai notre peuple. Nous connaissons une chambre des Ents au nord d'ici. Ah là, on est vraiment beaucoup. À abattre ces murs. Donc c'est l'espèce d'arbre qui bouge. Hein. Dévoilons notre présence. Et donc on va capturer le village. Bâtissez une forteresse et libérez la terre de ces villes créatures. D'ailleurs j'ai bien aimé les deux tours juste pour ça. Hein. Pour quand tous les Ents ont fait la marche vers Isengard, c'était pas mal du tout. Les serviteurs de Sauron. Et surtout quand Merry Pipin y découvre la cuisine de Saruman, c'était énorme. L'ennemi sera châtié. Ok, il avait l'habitude de prendre 6 repas par jour, je crois. Je sens une présence maléfique. Ah, pour l'instant, on peut pas. Ah non, c'est les paysans du Rohan. Ah. Bah, je pense que c'est parce que. On est les elfes. Waouh, on a des bâtisseurs. C'est énorme, on a des bâtisseurs, c'est incroyable. Des gobelins s'étend à travers les montagnes. Et va mener je vais faire construire un peu partout. Si nous ne les arrêtons pas. Un endroit idéal. Je serai un bon guide. Encore Faucombe. Ce sont leurs bâtiments. Là. Ok. Ils sont où? Allez. Le combat a commencé. J'ai des matériaux de construction. On va construire un peu. Travaille. De toute façon, on a beaucoup d'argent d'ailleurs. Lâchez vos flèches. Notre belle ville s'agrandit. Et ils me font rien de toute façon. Ah voilà, là il y a un peu de level. Attaquez là. En ligne, archer. Droite au cœur. Droite au but, tu veux dire. Ah non, je suis pas pour Marseille en fait. Montez vite. Ils attaquent les cœurs. Qu'est-ce que je vais pouvoir construire? Préparez vos outils. Où devons-nous construire? Ouais, que je construise encore une caserne. Allez. Un endroit idéal. Ça mange pas de pain. Encore un Malorn. J'ai pas trop besoin d'argent, donc j'ai juste besoin de recruter plus de troupes. Donc avec des Malorns, ça augmente les points de commandement. J'ai pas vu si j'ai détruit la tour, je pense. Hein. Et y'a quoi par ici? Ouais, y'a rien. Ok, donc. En avant. Le combat a commencé. Y'a une tour là. Maintenant, elle, à l'attaque. Il y en a un qui est mort en tout cas. Nous avons bâti une nouvelle. Et donc je vais prendre quoi? Je vais prendre allez, donc avec ça je peux reconstruire les bâtiments tant qu'ils sont pas ils sont pas morts, enfin ils sont pas détruits. Putain, mon badibou. Car c'est le maître. Tom Bombadil. Car Tom est le maître. Ah, je vais recruter d'autres personnes. Ah oui, quand même. D'habitude, je les prends jamais. Je vais les améliorer encore. Où devons-nous construire? Je vais mettre d'autres Malornes. Ce sol n'est pas adapté. Enfin, je sais pas si on dit Malornes. C'est quoi? Ouais, c'est des Malornes. Et voilà, leurs tours sont finis. Je sais pas si vous avez vu, mais dans le pouvoir, on pouvait mettre des tours, mais je préfère pas les mettre. On va reconstruire les bâtiments. Allez, dans la brume. Tom Bombadil. Ah oui, ok, je les avais même pas pris. Je vais encore faire d'autres Malornes. Ah, c'est énorme. Hein. Des matériaux de construction. On va en refaire un peu partout. C'est un des peu la technique. Hein. Quand on a beaucoup d'espace, il vaut mieux faire ça. Comme ça, on récupère un max de ressources. Non, je veux mettre un Malorne. Voilà. Soyez prudents, amis elfes. Voilà, ils sont finis. Hein. Vous serez un bon guide. Venez avec moi. Oh non. Notre belle ville s'agrandit. Retournons en terrain sûr. Ils attaquent un malheur. Nous devons protéger ces voies. Allez. Nous venons de Fourcon. Faut protéger. Faut les protéger un peu. L'ennemi est sur nous. Allez. Je connais. On va les combattre.
Laissez-nous nous passer. Sortons les lances de Mitlon. Nous devons défendre nos frontières. Et ils vont mourir. Voilà. Structure. Je serai un bon guide. J'en laissais quelques-uns quand même. Ça serait pas mal. En avant. Bon, donc il n'y a plus d'ennemis. Ah, quoique. J'ai cru voir quelqu'un passer. Un point rouge passé sur la carte en tout cas. Nous ne pouvons rester ici. Avancez. Donc on va tout détruire par là-bas. Et j'ai demandé d'autres malandres. Normalement c'est pas la technique pour avoir le plus d'unités, mais bon. Nous devons chercher. Au moins c'est plus rapide. Ce sol n'est pas adapté. Dans les montagnes aussi, c'est sûr qu'on peut pas trop développer la végétation. Impossible. Oh là là. Ah voilà. 4% c'est pas beau. On peut vraiment rien faire. Il est temps de bâtir. Je sens une présence maléfique. Ouais, c'est Sauron la présence maléfique. Attirez-les loin d'ici. D'ailleurs, il est incroyablement cheaté, Sauron. Quand elle est à l'anneau. Tuer le roi gobelin. Ah ouais, quand même. Ça rigole plus. Allez, on va les soigner un peu. Elle est belle cette tour. Allez, on va la tuer. Enfin, je sais pas si on peut tuer. Si, non, je sais pas. Y'a quoi à tuer ici? Y'a rien. Ah, fallait là-bas. Ok. Ok, donc y'a rien ici. On peut pas aller là, j'ai l'impression. Donc bah voilà, c'est tranquille, hein. On va finir. En fait, j'ai même l'impression qu'on peut le faire en une fois. Tellement c'est simple. Enfin bon, moi je dis ça, mais je connais bien le jeu quand même. Enfin ça va, j'espère que vous ennuyez pas trop. Ah bon, j'imagine que c'est pas pareil que de regarder le Seigneur des Anneaux, hein. C'est sûr que c'est pas aussi épique. Et tout. Et voilà, les Ents sont libérés. Donc je pense qu'il va falloir les défendre, je pense, non? Je me rappelle plus. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Il faut faire quoi maintenant? Ah, trop cool. On peut les prendre maintenant. Les Ents ou Sylvebarbe, leur héros. Enfin, c'est un Ent parmi d'autres, mais bon. C'est un peu lui qui a organisé la rébellion contre Saruman. Dans les deux tours. L'ennemi n'est pas loin. Oh non. En route. Mais non, il y a le feu. Pas par ici. Nous ne devons pas approcher du feu. Le combat a commencé. Par ici, lancier. Par ici, elf. Bon, je sais pas comment ils vont passer. Par ici, lancier. Tant pis. En route. Approchez-vous deux. Bon, il n'y a pas trop de monde. Oh, juste pour un malandre. J'attendais juste mon tour. C'est bon. De toute façon, on le reconstruit juste après. Ils ont trop les nerfs après. Ce tambour, il appelle les. Oh non, pas les tambours, ils sont assez forts. Il faut le détruire. Préparez vos armes. Il faut rentrer. Allez, faut rentrer comme il l'a dit. Soyez prêts. Montez vite. Et donc j'aimerais bien mettre Sylvebarbe. Il est où Sylvebarbe? Il est là-bas. De la Loria. On va dire ça. Les géants des montagnes continuent d'arriver. Oh là là. Il faut détruire ce tambour. Ah, on peut pas. 50 points de commandement. Ils attaquent à nouveau. Nous devons nous dresser contre eux. Ok, nous dresser contre eux. Nous devons protéger. Je serai votre guide. Ne laissez pas le. Vous avez vu un peu. C'est. Oh non, ils sont trop nuls. Oh là là. Je connais le chemin. Ou alors c'est les elfes qui sont cheatés, je sais pas. Suivez-moi. À l'attaque. Allez, je vais les soigner un peu encore. Serviteur de l'ennemi. Oh là, je vais en prendre peut-être quelques-uns encore. Ils l'ont bien mérité après tout. Je vais prendre ceux-là aussi, les cavaliers. Les arcs de la Lorien sont à vos ordres. Nous devons défendre nos foyers. Parce que là, ils sont en train un peu de se faire tuer. Je les affronterai. Ils sont beaucoup en train de se faire tuer, mais bon. Tenez bon.
Allez. Échappez-leur. Mettez à terme à tout ça. Vous ne souillerez plus rien. Ah, il est trop fort lui quand même. Bon, par contre en défense, non. Ah, il y a des gobelins qui arrivent. Parfait, c'est très bien ça. Allez, ça va me faire un peu d'expérience en plus. Allez, on va tuer. Là, ça va encore parce que je peux faire des pauses parce que en réseau, on peut pas faire des pauses. On va manger. On perd automatiquement. Même si on a plein de murs et plein de trébuchets et tout. Donc les trébuchets, c'est des espèces de catapultes, je sais pas si vous connaissez. Hein. Enfin bon, ça dépend si vous avez déjà joué au Seigneur des Anneaux. Bon, j'ai fini aussi les deux tours sur PS2. C'est sympa, mais assez difficile à finir. Parce que des fois, oh là là, dans le gouffre de Helm, c'est vraiment chaud. Laissez-nous passer. Rassemblez-vous, lanciers. Par ici, lanciers. À cheval. Conduisez-les. Quelque chose se prépare. Soyez discrets. Quelque chose. Détruisez cela. Eh mais j'entends toujours pas la musique. Hein. Peut-être parce qu'on est au début. Je suis désolé si la vidéo sera pas très cohérente parce que bon. Des fois je suis obligé d'arrêter un peu. Enfin de mettre le jeu en pause. Nous ne devons pas traîner. Et donc on continue. De toute façon on les a presque exterminés. Il y a juste ça à éliminer. On va prendre un peu l'or qu'il y avait là. Et c'est tranquille. Tam bombardier. Allez tout seul. Personne va le voir. Ça alors. Je connais cette région. Va-t-il réussir sans les autres? Ah non, les autres arrivent. Ah, c'est pas fini? Ok. Ah ouais, faut prendre. Il y a un peu d'or ici. Je vais prendre tout. Non, il n'y a plus rien ici en tout cas. Et ses bottes sont jaunes. C'est quoi l'objectif? Tuer le roi gobelin. Ok. Donc il y en a peut-être par ici. On n'a pas été ici en tout cas. Enfin, sûrement. Au plus vite! C'est par ici. Ah oui, mais eux ils disent c'est par ici. Donc on y va. Nous devons partir. Faudra que je fasse un peu de mon timeline dans vidéo. C'est sympa. En plus il y a un petit mode silence à nous, c'est super bien. Si on est déjà passé par là, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà. Nous devons rassembler nos forces. On va aller par là-bas. Je connais le chemin. À vos arcs. J'en ai même pas ramassé là-bas. Gardez cette zone. L'ennemi approche. L'ennemi, voilà. Quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare, donc on va y aller vite. Continuez. Donc je pense que c'est par ici. Là, je sais même pas où il est le bateau au début. Je sais pas ce qu'il fait. On pouvait passer par là, tant pis. Retournez au château. Ah non, c'est peut-être pas par là. Je sais pas. Je vais vous montrer. Attends, j'ai tout détruit, hein, je crois. Je crois bien. C'est par ici. Ah, c'est peut-être ça qu'il faut détruire. Je pense pas, hein. Mais bon. On va bien voir. Non, mais y'a rien à faire avec ce bateau. Je sais pas à quoi il sert. Cavalier, en avant. Quelque chose se prépare. En ligne, archer. Peut-être qu'on peut mettre des elfes. Respectez la zone. Avancez. Dunaire. Nous devons rassembler nos forces. Non, on peut même pas les mettre en plus. C'est ça le pire. Nous devons partir. Y'a quoi ici? Suivez-moi. On va bien voir. Y'a peut-être des troupes gobelins. Ah bah on a tout visité en fait. Tu es le roi gobelin, mais il est où?
Vu ce qu'on a fait là, on a tout fait. Préparez vos outils. On a vraiment tout fait. On y travaille. Ah, 0%. Pas super. Le mal se répand sur ces terres. Faites vite. Ah, là, il y a un peu d'or. On n'a pas été par là. Ouais. On va fouiller un peu par ici. On va chanceler un peu par ici en plus. Nous devons rassembler nos forces. Le mal se répand sur ces terres. Le bâtiment est achevé. Nous devons partir. Allez. Attention, c'est noir par ici, donc ça sert à rien d'aller par ici. Nous devons rassembler nos forces. Et donc, je sais pas. Y'a quoi par là-bas? Nous devons défendre. Ah, y'a l'autre là. À le dire. Nous ne pouvons rester ici. Ah, mais y'a rien. Y'a vraiment rien. En avant. Venez avec moi. Nous y allons. Y'a vraiment rien. Je vois pas où c'est. On a tout tué pourtant. Le mal se répand sur ces terres. Parce que j'ai juste oublié un truc là-bas. Continuez. Ou alors le jeu bug. Autre solution. On peut pas aller par là de toute façon. Donc on continue. Suivez-moi. Continuez. Ici. Ah, on peut aller par là. Non, apparemment non. Rien ici. Ouais, rien. Là y'a quoi? Toujours rien. Pas de bruit. Et on revient au village. Continuez. Suivez-moi. Donc apparemment c'est pas par ici. Je crois que j'avais été bloqué là aussi. Nous ne devons pas faire la partie. Nous devons partir. Ouais, nous devons partir. Peut-être des trucs là. Ah, je vois pas. Hein. Au plus vite. Je vois pas. Là, j'ai tout fait là. Ne traînez pas. On est d'accord. N'attirez pas l'attention. De toute façon, un rogue gobelin, je pense pas que ce soit ici. Vite, elfe de la forêt. Ah, je le vois pas. Ne traînez pas. Je le vois vraiment pas. Qu'est-ce que ça pourrait se cacher? Je serai votre guide. Ici. Je le vois pas du tout. Je connais le chemin. Laissez-nous passer. Si au moins c'est indiqué, mais là il y a aucune indication. Bon, moi je gagne beaucoup d'argent. Peut-être qu'il faut les aides pour les bloquer. Je pense pas. Hein. Ici. Je connais le chemin. C'est par ici. Non, c'est pas par ici. Hein. Essayez de monter ici. Là y a rien, vraiment rien. A tout fait. Je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus. Mais vraiment pas. Là il y a une tour, mais on peut rien faire avec la tour. Je serai votre guide. Ils n'ont rien à faire là. Ah, c'est ça. Ah, ok, ok. Détruisez cela. C'est par ici. Bah, allez, venez. Faites vite. Ils n'iront pas plus loin. Là, je voyais une barre de vie. Je voyais une barre de vie avant, mais par ici, on pouvait pas attaquer. Conduisez-les par ici. Je peux pas prendre les Ents encore. J'ai pas assez de points de commandement. Soyez prudent, ami elf. Ah, c'est bien, en plus ils peuvent se disparaître, enfin être invisibles. Donc voilà, on a fait une petite brèche. Soyez dans la porte. Prêt. C'est par ici. Avancez! Le combat a commencé! Allez, on va voir Tom Bombadil. Car Tom est le maître. Le feu, le soleil,
Allez, ça va être bon. On a bientôt fini le niveau. Faut le tuer, lui. Allez, vite. Regardez comment elle les envoie. Bon, encore moins les ennemis, mais oui. Énorme, comment elle les envoie. Fais un petit zoom. Oh, c'est assez moche, quoi. Enfin, pas trop, parce que c'est un peu en 2,5D, mais... Mais bon, il va presque mourir, comme moi dit là. On va faire le soigner. Tenez bon. À couvert. Pour Francombe. Oula. Devons défendre ces terres. Va falloir revenir. Impossible d'entretenir plus de Francombe. Je ne tiendrai pas longtemps. Par ici, lancier. Allez. Le roi gobelin est mort. Nos terres sont de nouveau en sécurité. Ah, cool. Là, on va aller. On l'a eu. Détruisez cela. Ils n'iront pas plus loin. Ah mais là, il va mourir lui. Allez, dépêchez-vous. Nous devons défendre ces terres. À cheval. Allez, sortez un petit tent. Ah oui, Sylve Bard. Le mal se répand sur ces terres. Nous devons rassembler nos forces. Attention à lui. Nous devons nous dresser contre. Je connais cette région. Surveillez vos flancs. Ah, il va presque mourir en plus. C'est ça le pire. Cavalier, rassemblez-vous, lancier. Allez, petit décombre. Par ici, et voilà. Faites sans une ruine. Nous protégeons la maison. Ne les laissez pas passer. Et on va bientôt terminer. Hein. Parce que ça va. Bon, ils vont tous pour. Notre limite de commandement est atteinte. Là on ne voit plus. Heureusement qu'ils font le pouvoir aussi. Ils ne sont pas de taille. Ah ça c'est sûr. Pas pour l'instant en tout cas. En plus je suis un peu n'importe quoi, je mets pas d'unité partout. Il n'y a pas besoin. Là c'est vraiment très très facile. Ah ok, j'entends une petite voix derrière. Oula, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Faut que j'envoie du monde. Nous protégeons la maison d'Elrond. Archer de la forêt noire. Nous avons agrandi la caserne. Voilà, ils vont se faire tous tuer. Nous devons défendre ces terres. Par ici, l'ancien. Allez, tuez-le. On voit pas son nombre de vie en fait. Au chevaucheur de truc de gobelins. Et voilà. Voilà, on a atteint l'objectif. Donc c'est l'espèce de chevalier là, gobelin. Donc on comprend pourquoi c'est un peu ex aequo. Ah, ils nous ont tués quoi. Quand même. Ils attaquent. Nous devons protéger ces rois. Vite, elfes de la forêt. Cavalier. Là, ils vont mourir. C'est sûr. Nous devons rester vigilants. Archer de la Lorient, prêt au combat. Ah, ils nous ont bien quand même là. C'est autre chose. On va ramener tout le monde là-bas. Et bon, il risque pas de nous attaquer. J'ai pas trop vu, à part dans le dernier niveau, les autres attaquer. Ah, Sylve Bard, j'avais oublié. L'ennemi rôde par ici. Nous portons les lances de Miquelon. Voilà, ils sont finis, c'est sûr. Ah, le mec, il y a carrément le bâtisseur. Ok. Allez, on va les tuer. Allez, ça va le faire, ça va le faire. Allez,
Ça fait longtemps quand même qu'ils sont là. L'ennemi est sur nous. Aux armes. Allez, on les ramène eux aussi. Ils sont quand même assez puissants. Nous portons les épées de la Lorde. Mais d'où ils viennent ces gobelins? Alors, grâce à Silverbard et les Ents, et bah voilà, on a gagné. De toute façon là il n'y a plus personne. Et on attaque à l'aide des catapultes arbres. Enfin les Ents quoi. Nous lance des rochers venus du néant alors qu'on n'est même pas dans une forêt. Tenez pour que ça soit réaliste. Allez, c'est fini. Niveau 7, niveau 7, niveau 10, Silverbard. Bon, c'est un espèce d'héros. Presque. Joli coup. Et voilà, on a terminé. Le roi gobelin a succombé. Il y a un petit coffre qu'on n'avait pas pris. Et c'est la victoire. On a gagné. Après la bataille, un prisonnier nain solitaire est libéré et supplie Glorfindel et Gloin de l'aider. Son clan de nains des montagnes bleues est attaqué par un terrible dragon. On dit que ce dragon servirait Sauron en échange d'un des anneaux de pouvoir des nains qui leur fut jadis dérobé. Ah, pas mal. En plus, on avance dans l'intrigue et donc j'ai joué un peu. Ouais, 20 minutes, on va dire. Ouais, pas mal. Donc, bah voilà, on avance dans l'intrigue. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et donc, j'essaierai de pas trop tarder avant de mettre un prochain épisode. Donc, bah voilà, je vous dis salut à tous. Donc, j'espère que vous avez bien aimé. Et donc, je vous dis à bientôt. Bye!